à toutes et à tous à Flèche 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 12e étape. Une étape entre Lannemezan et le plateau de Baye. Une étape dure. Très, très physique. Il faut vraiment, c'est vraiment l'étape où il faut posséder une très bonne forme. Parce que souvent, les équipes roulent sur le plat. Alors, si vous êtes mauvais, c'est pas le moment. C'est pas une journée pour être dans un mauvais jour. Ça passe très mal si on est dans un mauvais jour. Donc, faut vraiment avoir le maximum de ses capacités, même plus que ça encore. Et là, si Valverde est dans un mauvais jour, je crois que je vais me sauter par la fenêtre. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est un coup monté, quoi. Si dans un mauvais jour, c'est un coup monté. La forme du jour influe sur les performances des coureurs. Lol. Allez, file une bonne forme, putain, fais pas le con. Ouais, c'est bien. Youpi. Quintana aussi est pas trop mal, donc ça devrait faire une bonne étape. Ça va faire une bonne étape. Allez, on y croit. On se retrouve en fin d'étape. Et voilà, on se retrouve donc pour la fin de l'étape. Alors, personne ne veut rouler dans le peloton, c'est horrible. On peut donc tenter un coup de Trafalgar avec Valverde. Sauf que c'est mes Movistar qui me suivent, mais sinon tout va bien. Putain, vous avez rien compris, bande de teubés. Putain, toute l'étape est dégueulasse. Regardez ça, en haut, Quintana, tout en haut. Il a une forme, il est à fond quasiment. Moi, j'ai perdu plein d'énergie. Je suis leader, j'ai perdu l'énergie. Ils ont protégé Quintana aujourd'hui. Ça m'a énervé. En plus, ils étaient en train de rouler sur le plat. Du coup, je ne pouvais pas récupérer avec Valverde. Ça m'a énervé. Hein, Quintana, il a intérêt à se ramener rapido, parce que sinon, je vais lui défoncer la gueule. Putain, et Pino qui y va. Allez, c'est la fête du slip. On laisse y aller. Koenig qui y va parce que Bardet y va, parce que Froome y va. Voilà, on l'a rattrapé, c'est bien. Bon, maintenant j'aimerais vraiment ramasser Quintana, s'il vous plaît. Où est-il? Allez, c'est fini, niqué. Il n'y a pas d'autre mot, il s'est fait niquer. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Pino qui retourne. Qui va y aller, qui va y aller. C'est Bardet. Ouais, bah là, t'as vraiment intérêt à te ramener. Putain. Qu'est-ce qu'il casse-couille, ce gamin. Ah, il m'a énervé, cette étape. C'est ouf. Il est là-bas, quoi. Il est Keblo. Le jeu, là, Keblo. Et c'est Froome encore qui fait le tempo, comme l'étape 2. Comme sur l'étape d'avant, quoi. C'est Froome qui va faire le tempo. On sait même pas pourquoi. Ni comment. Thomas qui essaye encore une fois de le rattraper. C'est énorme, quoi. C'est d'un comique. Regardez ça. Froome qui craint Pino. C'est énorme. Hey Quintana, t'es censé être devant, pas à côté de moi. Allez hop, protection. Allez, pop. On est sur le petit plateau, certes, mais il faut faire mal aux adversaires. C'est qui à côté, c'est Nibali. Gianpaolo Caruso qui est à fond. Voilà, j'ai une barre de protection. Nibali en a zéro. Froome est loin. Hein. Froome, s'il veut placer une attaque, il est vachement loin, mine de rien. Hop, Quintana, va falloir accélérer un petit peu. Pas trop non plus, hein. Ah, Froome qui est vachement bien revenu aussi. Voilà. On fait le tempo avec Valverde et Quintana. Quintana qui s'est complètement cramé. Mais alors là, c'est... c'est n'importe quoi. Froome derrière, il sait pas trop quoi penser. S'il doit se mettre grand plateau ou pas, en fait. J'ai l'impression que Froome, là, aujourd'hui, c'est quand même pas la forme. Mine de rien, c'est quand même pas la grande forme. Gianpaolo Caruso qui est en train d'accélérer le tempo. Je vais lui montrer ce que c'est qu'accélérer le tempo en virage. Tiens, voilà, Giambi. Hop, dans la roue de Froome. Quintana qui revient au sprint sur le côté. Allez, Quintana, qu'est-ce que tu branles, putain?
une excellente opération. Putain, protection de mon cul, le mec il arrive à côté de moi, il a mis un coup de frein. Putain, le casse-couille. Un peu énervé. Hein. Il m'a un petit peu énervé là sur le coup le jeu. D'ailleurs, protéger Quintana et pas Valverde. Ah, Froome il est parti. Ah, va falloir se bouger le groin parce que là, ça va pas le faire. Putain. Et Quintana complètement, mais complètement à côté de la plaque. Hop là. Et Froome obligé d'en remettre une. Que Quintana me bloque dans Michael Scher. Ça va de mieux en mieux, vous inquiétez pas. Quintana est cuit d'ailleurs. Mais putain, mais accélère, je suis grand plateau, bordel, arrête de freiner. Ouh. Vive ce jeu. Quintana reste dans son groupe, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, il n'y a pas d'autre mot, j'en ai marre. On va aller rattraper Mathias Rank tout seul. Froome versus Valverde. Pétage de câble. Roland aussi qui est revenu avec nous. Donc Froome il a 35 secondes. Pour l'instant, il est à 30 secondes devant. En fait, je égale. Non, je le rattrape. Je le rattrape, je le rattrape, je le rattrape. Je pense pas qu'il soit grand plateau lui par contre. Pour ça je le rattrape, mais je le rattrape parce que je suis grand plateau en fait. Roland qui hésite, est-ce que je mets une accélération à Valverde ou pas? On est tous dans le même bateau de toute façon, Pierrot, donc si tu veux mettre une accélération, fais-toi zizir. Plaisir du soir, bonsoir. Plaisir du jour, bonjour. Froome qui est reparti, quoi. Froome qui est en bonne forme. Enfin, c'est dégueulasse. Ce mode champion est dégueulasse. Crado. Voilà, Roland. C'était sûr, ça se voyait des millénaires. Oh putain! Froome qui est en train de me prendre 50 secondes. Enfin, cette étape, elle est tellement cheatée quand t'as une bonne forme que je cherche même plus à comprendre. Voilà. Steph Clements qui fait différence pour Mathias Rank qui va être obligé de l'attendre. Énorme. Putain, mais il me bloque pas, du con. J'enrage. Une 10, on a pris sur Froome. Une 10. Et il est pas en train de se faire péter la pilule par hasard. Je suis con. Dites-le moi, je suis con. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi je prends mon ravitaillement maintenant, moi? Complètement teubé, cet enfant. Et on a perdu du temps parce que Navarro a attaqué le Serpa. Bon, classement du sprint, c'est pas totalement comme je l'avais vu, mais bon, on va se débrouiller avec ça, hein, mine de rien. On n'a pas le choix. Donc là, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Pinot devant. Mais bon, je compte pas, je compte pas Pinot puisqu'on va finir par le rattraper. Voilà. C'est Thibaut de m'attendre, c'est sympa de ta part, même si tu m'attends pas du tout, je m'en bats les couilles, tu vas m'attendre. Thibaut, attends-moi! Regardez ça, j'ai aucune vitesse de jambe. J'ai pas été du tout protégé de l'étape. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Du coup, Froome va se faire la malle en me reprenant 1 minute 30. Quintana s'est fait péter. Voilà, il est à 4,49. Quintana, il s'est fait exploser. Étape de merde. Nico Edé, on va te bousiller la gueule. Pinot, de toute façon, il est trop faible derrière moi pour me niquer au sprint. Ou alors, sinon, j'ai plus rien compris à la science de ce jeu. Tu te calmes. Voilà, on finit complètement défoncé.
Septième, donc c'est bon parce qu'on a récupéré du temps sur tous les favoris, sauf sur celui qui m'intéresse, Chris Froome. Donc Chris Froome est quasiment imbattable, ça vous l'avez compris je pense. On va se retrouver quand Dempster sera arrivé parce que là ça va être franchement très très long. Voilà, ça arrive avec Yuan Zhen. C'est pas trop mal. Alors en plus il a fini troisième, donc il a récupéré 4 secondes en plus. Ouh, il a eu du mal à finir mine de rien. Hein. Il va pas me ramasser une 30. Mais blablabla. Une 27, une 42. On fait un petit calcul rapidement. Ça fait une 20, une 15. Oh, il reprend qu'une 19. Miracle. Putain. Cheaté, ce Froumier, cheaté, je vous dis. Alors Roland Pinot qui finit avec moi. Serre pas la montagne. Moi, je prends 6 points. Froumier en française. Froum, je vais lui foutre un doigt dans le cul, putain. Valverde 9e, 9e, 9 points. Quintana 6 points. Non, 6e, putain. Bardet lui a repris le maillot blanc alors qu'il avait une meilleure forme que lui et qu'il avait une barre complètement bonne. Et sinon, tout va bien, écoutez. Au stress. Voilà, Quintana est maintenant 9e alors qu'il était en forme. Il avait une barre quasi complète, il était en forme. Il a trouvé le moyen de se faire sauter la gueule. Enfin, j'ai trouvé le moyen de lui faire sauter sa gueule. Donc maintenant, il retrouve à une 10 de Bardet. Et à Barguil qui est passé devant lui aussi. À la montagne, Froome est passé devant moi pour 5 points. Ah là là, Valverde est à 31 points de Cavendish. Voilà, une 23 de retard pour Quintana, ça se rattrapera, vous inquiétez pas. Le Movistar perd du temps sur Martinkoff. Etc. Etc. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi cette étape. J'espère que vous aura plu parce que, mine de rien, même si c'est une mauvaise opération sur Froome, c'est une bonne opération sur tous les autres. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite de ce tour. Ciao tout le monde!